What's up everybody, today I'm going to speak to you about Red Dead Redemption 2. Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça passe là, comme ça? Donc en gros, aujourd'hui en fait, on va parler de ce futur Red Dead Redemption, le deuxième opus. Ah, attention, parce que je sais très bien que normalement c'est censé être le troisième, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, dans les rumeurs et tout, on parle vraiment d'un second opus, c'est-à-dire qu'on parle d'un Red Dead Redemption 2, avec peut-être des informations, voire très importantes, qui tournent en ce moment. Beaucoup de youtubeurs, par exemple anglais, américains, en ont parlé, parce que c'est quand même quelque chose de très important, à la fois parce que, à ce qui paraît, ça va être le futur jeu, enfin en tout cas, c'est ce qui sans doute est en train de se dérouler dans les studios de Rockstar, au niveau du développement, mais que le prochain jeu qui sortira, de cette énorme boîte, donc Rockstar Games, et bien ça sera Red Dead Redemption. Alors tout ça provient donc d'un employé de Rockstar qui a cité comme quoi, enfin en gros on lui a posé une question, donc c'est un fan qui lui a posé une question qui lui a demandé en gros quel sera le prochain jeu qui sortira en tout cas de Rockstar Games, et lui il a répondu comme quoi sans doute ça sera Red Dead Redemption 2. Alors attention à ne pas se dire aussi oui mais si c'est un employé de Rockstar il ne dira jamais ça et tout, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est qu'il a dit de façon codée un peu, c'est-à-dire que lui il va répondre d'une autre façon. Alors ce que je vais vous faire, c'est je vais vous faire afficher donc je pense donc un petit paragraphe sur l'écran qui parle de tout ça et qui va donner en fait sa réponse. Et sa réponse, alors peut-être que ça veut peut-être que ça veut rien dire, mais qu'à la fois quand on regarde bien et quand on prend la première lettre de chaque mot qu'il va employer, ça va revenir à Red Dead Redemption et 2. Donc ça reste à voir, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis à la fois je me dis ça peut être possible, et puis ça paraît aussi très logique. Ça d'ailleurs je vous en ai parlé et bien dans l'une de mes premières vidéos à propos, en parlant du jeu GTA 6, en vous disant que certainement ils vont aussi sortir Red Dead Redemption, parce que c'est une série qui marche extrêmement bien, qui a très bien marché, et que pour eux ils ont vraiment, on va dire, les plus grosses séries qu'ils ont pu sortir, ça va être déjà la série Grand Theft Auto et puis surtout Red Dead Redemption qui a fait un énorme succès et tout. Il y a d'autres jeux aussi qui marchent très bien du côté de Rockstar, mais quand on va regarder le chiffre d'affaires qu'ils ont pu se faire avec la série Grand Theft Auto et la série Red Dead Redemption, on peut se dire qu'ils ont bien moins marché, en tout cas que par exemple ces deux séries là que je suis en train de vous parler actuellement. Voilà, donc alors c'est parti, on va commencer avec mon magnifique anglais. Donc on va lire ce petit paragraphe et puis après je vais juste vous montrer en fait sa réponse, et voilà, on va un peu en discuter. Donc it's not a secret that a lot of gamers want a sequel to Red Dead Redemption, and with GTA 5 out of the way, a lot of people wonder what Rockstar new next game could actually be. Well, it appears that R2 maybe what the big studio is currently working on, something that was hint by its former employee Danny Ross. Donc ça va être le Danny Ross, si vous voulez, qui lui apparemment est un employé en fait de Rockstar, ou alors était un employé de Rockstar, en tout cas je vois pas plus d'informations là-dessus. Donc on va continuer ça. In his recent Redditama, Danny Ross hinted at Red Dead Redemption 2 being the next game that Rockstar is currently working on. Alors la question donc qui a été posée par le fan, donc when a fan asked him about the next game of Rockstar Games, Danny said this, donc Willy Dumbass Willy 2. Alors c'est ça sa réponse. Donc c'est à dire que quand on dit Willy Dumbass Willy 2, quand on regarde le premier mot en fait, enfin plutôt la première lettre de chaque mot, eh bien Willy donc ça va être un R, Dumbass ça va être un D, Willy ça va être encore un R, donc R2 R et le 2, donc bien entendu donc un 2, donc Red Dead Redemption 2. Alors ça peut paraître fou. C'est-à-dire qu'on peut, être limite dans la paranoïa et se dire, on va essayer de décrypter ce qu'il est en train de dire. Déjà, premièrement, un salarié n'a pas le droit de répondre à des questions qui vont être en présence, donc déjà, des jeux de Rockstar. Forcément, ils travaillent, donc eux, si vous voulez, ils ont des contrats. Ils vont devoir signer un contrat en disant, qu'ils ont absolument, ils doivent rien divulguer. Et que s'ils divulguent, même si c'est une petite information ridicule, eh bien, ils seront pénalisés et seront
devant la cour de justice, voilà, ils auront même une amende, et puis voilà, c'est pour ça qu'ils disent absolument rien, sinon c'est sûr que à la fin on peut se dire, bah comment ils font pour garder un tel secret les employés, ça peut se comprendre, mais que je pense que quand tu travailles avec Rockstar, enfin en tout cas, ou n'importe quelle autre boîte, voilà, c'est faut garder la confidentialité, parce que sinon t'es vraiment dans le caca, et tu peux même faire des années de d'emprisonnement, parce que c'est interdit, t'as pas le droit, quand tu signes sur un papier, comme quoi tu participes, et que tu es d'accord à ne rien divulguer, eh bien, faut que ça soit le cas. Ici, on lui pose la question, donc, par un fan, donc ce que je vous ai dit, en fait, en gros, quel jeu vous pensez que Rockstar va sortir, enfin, prochainement, quel sera le futur jeu que Rockstar va sortir, voilà. Et que lui, il répond, vraiment, Dumbass, donc Dumbass, je sais pas comment vraiment vous le traduire, en gros, c'est plus quelque chose en disant, voilà, je sais pas vraiment comment le traduire, enfin, regardez sur internet, mais... Voilà, c'est Willy Dumbass Willy 2. C'est comme une sorte de oh putain. Enfin voilà, en gros, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est qui remet en fait, si vous voulez, la phrase un peu dans le bas. Willy Dumbass Willy 2. Et donc, à la fois, en fait, quand on reprend exactement. Enfin, déjà, la phrase ne veut pas dire grand chose parce qu'il met tout à la fin. On peut se dire, mais pourquoi il dit ça? Et donc, en fait, si vous voulez, eh bien. Quand on reprend, donc ce que je vous ai dit, en fait, dans chaque mot, et eh bien, la première lettre, donc ça revient à Red Dead Redemption 2. Et ça tourne énormément sur le net, c'est-à-dire beaucoup de gens se disent, bah attendez, peut-être que le futur jeu sera Red Dead Redemption 2 et tout, même si peut-être ça sera le 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il parle de Red Dead Redemption 2, parce que oui, il y a eu un jeu, je crois, sur PlayStation qui est sorti aussi, et que c'est vrai que les gens, ils se disent, bon, bah normalement, ça devrait plus être un Red Dead Redemption 3, mais ici, on parle vraiment d'un deuxième ou plus. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, ça va plus être le deuxième, ça passe mieux, voir le troisième et tout. Enfin, il y en a qui vont dire ouais, ça va plus être le troisième forcément parce que ça normalement c'est le troisième jeu qui vont sortir Red Dead Redemption. Donc après ça dépend de vous. Donc s'il vous plaît, ne battez-vous pas dans la barre des commentaires, ça serait complètement stupide. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais chercher un maximum d'informations sur ce futur jeu. Je pense que ça peut vous plaire parce que c'est un très bon jeu, je trouve. Avec GTA 5 pour moi en tout cas, au niveau du développement, enfin au niveau ouais du dev avec Rockstar, et bien pour moi c'est mes deux jeux préférés, je pense, de chez Rockstar, voilà, provenant des studios de Rockstar et tout. Je pense Red Dead Redemption et GTA, c'est deux séries de jeux vidéo qui m'ont plu, qui m'ont énormément plu. Max Payne aussi beaucoup, mais il y a aussi d'autres jeux de Rockstar, mais essentiellement Red Dead Redemption et la série Grand Theft Auto. Voilà, mais surtout les gens, ça peut paraître complètement fou, dans la parano ou je ne sais quoi, mais sachez que c'est pris en fait extrêmement au sérieux, et que peut-être c'est, voilà, c'est, moi en tout cas ça me paraît logique qu'ils sortent même un futur Red Dead Redemption, peut-être l'année prochaine, en attendant, et eh bien ce fameux grand GTA, GTA 6, mettre encore un peu plus de piment avec ce futur Red Dead Redemption. Merci encore pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle, thank you very much. I appreciate it, comme on dit. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.